Good morning, la idée de l'étude sur aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yudit et Vatarama Ben Chedva, Chayaster, Bat Miriam et Yitzhak Peretz Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions la Sechat Shabbat, Perek Chet Mishnah Gimel Or, Kedela Asot Kamea, Klaf, Kedelirtov Alav Parashaktana Shebat Efilin, Shei Shema Israel, Dio, Kedelirtov Shte Otiot, Krol, pour rappel, dans la plupart des interdits de la Torah et même de Shabbat, eh bien, la Torah, on transgresse l'interdit et on est condamnable sur l'interdit que s'il y a une certaine quantité requise, un shi'ur, une quantité, une mesure. Pour les interdits de porter, donc maintenant ça fait plusieurs Mishnayot qu'on découvre dans l'interdit de porter, de transporter quelque chose sur la voie publique, dans la voie publique à Shabbat, eh bien, chaque chose, elle a une mesure requise pour transgresser l'interdit. D'accord? Donc du coup, on découvre dans toutes sortes de domaines, dans des liquides, dans des produits, dans des cordes, on évoquait déjà, on aura encore l'occasion de découvrir encore plusieurs choses dans les prochains prakim, jusqu'à ce perek et même celui d'après un petit peu. Et pour le moment, dans notre Mishnah, alors, on va s'intéresser à Or, un morceau de cuir. Kedel la sot kamea, littéralement pour faire une amulette. Mais c'est pas pour faire une amulette, d'abord c'est pas une amulette exactement, on sait c'est quoi un kamea. Kamea c'est une écriture, c'est fréquent, les kabbalistes, ils écrivent des fois sur des parchemins, ou des fois sur des plaques en argent, ils gravent des noms et tout ça pour qu'ils protègent. Et maintenant ça, il faut l'envelopper avec une peau en cuir pour qu'il soit bien, c'était le plastique de l'époque j'imagine. Le cuir, c'était étanche, ça permettait plus ou moins bien protéger, en tout cas mieux que n'importe quel tissu. Donc maintenant, la Mishnah me dit qu'aider la sotte caméa pour protéger un caméa, pour envelopper un caméa, comme il nous dit le Bartanura, les chassot boeta caméa. D'accord? Klaf, c'est un parchemin. Alors la Mishnah m'enseigne, cette fois-ci, qu'aider l'irtov alav parashak tana sheba tfilin, de quoi écrire une petite paracha des tfilin, shehi shema Israël, qui est la paracha de Shema Israël. Vous savez bien, dans les tfilin, on a quatre parachutes. Shema Israël, Vayaim Shamoa, et Vaidaber Kadesh Likol Bechor, et Vaya Kevier Hashem, la suite de Kadesh Likol Bechor. C'est les quatre parachutes qu'on a dans les quatre compartiments des Tfilin. Dans le Tfilin Shaliyat, c'est sur un seul parchemin. Donc dans la tête, on a quatre parchemins. Et bien, la plus petite des parachutes de cette Tfilin, c'est la paracha de Shema Israël. Il y a le moins de mots dedans. Et donc, du coup, elle prend moins de place. Alors la Mishnah me dit, tu sais, c'est un petit bout de parchemin. Eh bien, pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat, avec le parchemin, cette fois-ci, il faut qu'il y ait de quoi écrire quand même la plus petite des parachutes des Tfilin, qui est la paracha de Shema Israël. D'accord? Il y a un petit chidouche à mettre en évidence, c'est que jusqu'à maintenant, un produit qui avait plusieurs utilités. Alors il fallait que tu regardes parmi toutes les éventualités, les utilisations possibles, que tu prennes celle qui réclame le moins de matière, et comme ça on fixe la dose, la mesure pour transgresser l'interdit de porter, d'accord? Chaque fois, si un même produit, de l'eau, ça peut me servir à boire, mais je peux aussi l'utiliser pour mettre la compresse d'eau sur les yeux, comme on a vu dans la Mishnah précédente, je ne sais plus haut, et bien là, alors la Mishnah me dit, ben, tu prends la quantité minimale, donc la compresse des yeux. Là, on a un petit problème avec le claf. Le claf, c'est un petit parchemin. Concrètement, comme on avait appris dans la Mishnah précédente, on peut écrire un coupon de douane, vous savez, avec les deux lettres là qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente. On peut écrire avec un morceau de claf aussi, avec un morceau de parchemin. Alors, et dans ce cas-là, ça prendra beaucoup moins de place qu'une paracha, la paracha d'Etfilin. Mais malgré tout, sur ça, la réponse est que quoi? Un claf, ça coûte très cher, et on ne l'utilise pas pour faire les coupons des douaniers là-bas. D'accord? Donc du coup, le claf, on le réserve spécialement pour écrire des choses qui sont kadosh. La plus petite des parachiotes possible à écrire, c'est la paracha du Shema Israël des Tfilin. Ok? Les Mefarshim se posent la question quand même, bon, tu me dis la plus petite des parachiotes des Tfilin. On a compris c'est quoi Shema Israël, regarde les parachiotes des Tfilin, tu verras qu'elle est nettement plus petite que les autres. Donc du coup, ils se posent tous la question, pourquoi on a besoin de préciser que c'est Shema Israël? Plusieurs interprétations, on va mentionner quand même celle du Tiferet Israël, qui est simple. Parce qu'il y a un Bet Yosef qui nous dit que lorsque tu fais la paracha de Shema Israël, c'est vrai qu'elle doit être moins étendue, mais dans ce cas-là, il faut que le claf, que le parchemin soit un peu plus épais. Alors la Mishnah me dit, tu sais, cette fois-ci, pour transgresser l'interdit du Shabbat, eh bien ça suffit qu'il y ait la longueur
et la largeur, mais même s'il n'y a pas l'épaisseur, en fait. D'accord? Et on continue. Dio, kedelirtov, shteotiot. Dio, c'est de l'encre. La quantité minimale d'encre grise, c'est pour écrire deux lettres. Ouais, Dio, c'est à l'époque, on avait implanté la plume, on écrivait comme ça les lettres. Eh bien, il faut qu'il y ait de quoi écrire deux lettres. Ok? D'ailleurs, on verra, même pour l'interdire d'écrire, c'est concrètement associé avec deux lettres. Toujours deux lettres, c'est le minimum pour que ça ait un sens. Et voilà, on aura le temps de découvrir encore plus. Pour le moment, en tout cas, l'interdit de transporter de l'encre, c'est deux lettres. Kroll, alors là, ça va sûrement vous faire sourire. Moi, ça m'a fait rigoler. Kroll, kroll, c'est le bleu pour les yeux. D'accord? Donc, le bleu pour les yeux, pour se maquiller. On guérissait aussi avec ce bleu-là. Mais en tout cas, la Mishnah dit « Kedeli kroll aynachat ». De quoi se maquiller un seul œil. D'où la question. Quand on se maquille deux yeux. Sinon, ça veut dire pas se maquiller un seul œil. Vous imaginez une femme qui est à moitié maquillée, à moitié blanche. Et sur ça, il y a une réponse très originale de la Gemara qui nous dit non, c'est parce que les femmes tsnuot, les femmes qui sont très pudiques, elles font attention à ne pas se découvrir, elles se mettent un foulard sur le. Comme la burqa des Arabes, elles se voilent le visage en laissant juste un œil pour pouvoir voir. Donc elles sont très pudiques. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les femmes pudiques, même si elles sont très pudiques, mais elles sont obligées de se maquiller l'œil pour que, quand même. Pour que l'œil qu'on va la voir à travers son châle, à travers son foulard, lui au moins il doit être maquillé, en tout cas, comme ça c'était l'usage à l'époque. Et du coup, ben, comme ça on a fixé la quantité. Donc une quantité de quoi maquiller un seul œil, c'est une quantité quand même conséquente qu'une femme conserve parce que ça peut lui servir. Donc du coup, on transgresse l'interdit si on transgresse cette quantité, si on transporte cette quantité de bleu sur la voie publique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.